I give my maximum, and we will see at the finish line where I be. So exciting day. On y va. Pour une journée folle. Est-ce que tu peux ouvrir le portail, ça te servira à quelque chose. Direction la première étape de montagne, 162 km entre Pau et La Reims, avec trois cols à franchir, une étape qui s'annonce explosive. Alors Anthony anticipe sur son échauffement. Ça fait deux jours où c'est quand même assez calme, on va dire, donc oui, je pense qu'il faut bien s'échauffer parce que tout le monde est remis d'aplomb. En effet, le peloton est plein d'envie et d'énergie. Aujourd'hui, tout peut arriver. Oui, c'est vrai que c'est simplement l'étape de montagne aujourd'hui, donc potentiellement la première possibilité que l'échappée aille au bout sur ce Tour de France-là. Donc voilà, on va essayer de tenter notre chance à l'avant avec Mathieu, Pierre ou moi, ou même un autre coureur. Ouais, ça va batailler fort parce que là, on a eu deux jours tranquilles où tout le peloton a pu se reposer. Et on n'est que le cinquième jour, donc je pense qu'il y aura une belle échappée, et, une belle composition, et ça va être une grosse baston pour être devant. Donc le premier objectif, c'est d'être devant et puis après tout donner pour essayer de jouer l'étape. Ils n'ont pas le même maillot, mais presque. Sébastien Ébriac, manager et entraîneur de la section paloise, sont les invités de l'équipe aujourd'hui. Total Energy sponsorise également l'équipe de rugby de Pau. Sur le maillot, ils ont donc le même logo. La même passion du sport, la même excellence vers le haut niveau. Donc voilà, beaucoup de ponts entre le cyclisme et le rugby. Et puis l'avantage d'avoir un partenaire efficace qui nous donne beaucoup d'énergie. Ce qui est impressionnant dans le monde du vélo, c'est voilà, l'excellence, l'expertise qu'il y a dans la préparation d'une course aussi longue, autant coûteuse en énergie. Et voilà, je trouve que l'excellence de la préparation est vraiment quelque chose de captivant. Un début d'étape très décousu. Si Pierre Latour est à l'initiative de l'échappée du jour, il faut une trentaine de kilomètres pour stabiliser la situation avec une trentaine de coureurs à l'avant. Mathieu Burgodeau et Pierre Latour donc en font partie. Mais le premier hors catégorie du Tour fait quelques dégâts. Au fur et à mesure des kilomètres, le groupe de tête se réduit et se divise en plusieurs morceaux. Mathieu s'accroche, mais le rythme s'accélère dans la dernière ascension. Seul Jay Hindley tient tête au peloton et s'impose sur cette cinquième étape. Steph Kras termine 28e. Oh, tu as repris les mecs devant toi, non, le groupe oui. Mathieu Slanda. Ouais. Je savais que c'est déjà encore une... C'est encore une petite possibilité d'accélérer. Oui. It was a hard stage and everybody was on this place today because such a hard climb. It's yeah, that's where everybody come on his own place. So I'm quite happy and there are still many stages to go. So still long to Paris. Ah, j'ai fait le maximum avec les moyens du jour. J'étais pas dans une super journée, mais bon, après j'ai géré comme je pouvais. Voilà, après il y avait des très bons grimpeurs devant, c'était peut-être un peu dur pour moi, mais dans une bonne journée ça aurait pu le faire. Après voilà, j'ai tenté, et il y en aura d'autres. Bien, bien. Ciao. Où est-ce que tu es? Bien. Bien. Bravo. Nous on roller? Non. 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 Demain, le Tour reste en montagne avec au programme, entre autres, le Tourmalet.